décennies, l'homme recherche des réponses. On s'est tous posé la question, y a-t-il une vie après la mort? Les fantômes existent-ils? Munis de notre matériel, nous tentons de trouver des réponses. Nous vous laissons en juger par vous-même. L'équipe de Rencontre Paranormale. J'ai passé un super beau week-end avec l'équipe Rencontre Paranormale. C'était vraiment une approche extraordinaire pour moi, j'avais jamais fait d'expérience comme ça. Pour moi, c'est la première expérience en paranormal. Le lac Mystère, c'est vraiment extraordinaire parce que c'est, on dirait vraiment un miroir qui se reflète sur l'eau, quoi. C'est vraiment très très beau. C'était vraiment plein d'émotions. Tchuss les amis. Bonjour à tous les amis, on est ravis de vous retrouver. Bonjour. Aujourd'hui pour une enquête bien particulière, bien spéciale, nous sommes avec les abonnés. Salut les loulous. Juju. Ça va, on est bien, Willy, bien, frère. Ouais. Steve, forcément, Enix, mon frère. Salut les loulous. Et Stéphane. Et bonjour. Du coup, donc un lieu chargé sur un lac mystère qu'on va vous faire découvrir. Je vais vous montrer. Très très chargé, donc sur une grosse partie du lac, donc on va vous faire voir ça. Vas-y Nat, tu vas faire découvrir un peu ce lieu magnifique. Voilà. Ah, c'est qui mon bébé. Très beau. Voilà, donc la grosse surprise pour vous ce soir, donc c'est le week-end paranormal avec tous les abonnés. Et bah, comme d'habitude, eh ben, on monte le matos et on se retrouve ce soir dans le vif du sujet. Ok les gars, ça marche. Tchuss. Les amis, donc on est parti sur le lieu propice, donc la chaise du diable. Et donc pour être tout à fait honnête avec vous, on a interrompu le tournage. En fait, on avait déjà commencé le tournage, c'est la première fois que ça arrive. Pourquoi? Parce qu'il y avait des jeunes qui traînaient et ils sont pas partis. Donc c'est des jeunes qui traînaient, ça mettait la musique, ça faisait le bordel. Donc on a dû couper le tournage. On était parasité en fait. Par voilà, c'était parasité. Donc pour vous dire, on refait acte 2 avec vous. Les abonnés sont là, sont témoins. Bonsoir tout le monde. Voilà, ça va. On reprend les mêmes et on recommence, on peut dire. Et donc voilà, donc on va aller directement à la chaise du diable. En espérant que c'est pas trop perturbé le lieu. On avait commencé à avoir contact avec une entité. Ouais. On était coupés quoi. Ouais, qui communiquait avec nous avec un seul appareil.
Donc en fait, si vous voulez, on leur a dit qu'on faisait un tournage. Mais au lieu de partir, ils sont restés là. Comme des cons, si je puis dire. À mettre de la musique et faire le bordel, quoi. Donc on va rester concentrés. Et on va s'excuser. Alors, rebonsoir. Excusez-nous pour cette interruption. Bonsoir. Donc moi c'est Enix. Moi c'est Nat et on revient vous voir. Julieta. Stéphane. Moi c'est Willy. Moi c'est Steve. Voilà, on est désolé hein, d'avoir coupé tout à l'heure. Donc si vous voulez rentrer en contact avec nous, vous n'hésitez pas. On va revenir sur le point précis où c'est qu'on a été coupé tout à l'heure, malheureusement. On en est complètement désolé. Hein. Donc on va vous ressortir les appareils qu'on avait tout à l'heure pour communiquer avec vous. Et donc si vous le désirez, et ben vous, on pourra dialoguer ensemble pour connaître votre histoire et l'histoire de ce lieu. Parce qu'on a beaucoup de questions à poser concernant le mystère sur ce lac. Toujours laisser des messages sur les caméras si vous le souhaitez également. Il y a un animal là, non? Je vois tes yeux, non? Ouais. Vous voyez des yeux en face là? Ah. Oui, c'est un animal, ouais. C'est un animal? Ouais. Attends, éclaire en face, c'est pour savoir ce que c'était. Ça avait l'air plus petit qu'un chat. Donc là, quand on avait fait le repérage en pleine journée, c'était très calme, pas de bruit. Curieusement, c'est plus calme qu'ailleurs d'ailleurs. Ouais, c'est une partie du lac vraiment qui est très calme. Comme vous avez vu, le lac il fait carrément un grand cercle. Et cette partie-là bien précise est vraiment totalement différente niveau ambiance que l'autre partie du lac. Donc on va commencer par la chaise du diable et puis les fameuses portes de l'enfer qui s'appellent un petit peu plus loin, qu'on va essayer de vous montrer. Si tout se passe bien ce coup-ci. Hein. Ça va les amis? Ça va. Okay. Ouais, même sur cette partie-là, en fait, il y a une particularité, c'est que vu que c'est calme, même les enfants ressentent le calme. Oui. Ah, il y a un animal là, je vois des yeux. Ah, là-haut? Ouais. Bon, mais c'est un animal. Ah, oui. Vous voyez la caméra peut-être, hein? Ouais. On voit les yeux qui s'allument, un petit animal. Moi, je te l'ai dit de manger des myrtilles. Ouais. C'est une bonne fois qu'il y a des yeux là. Voilà, ça y est, on y arrive là. Alors regardez, voilà, c'est ce que vous voyez. C'est ça qu'on appelle la chaise du diable parce que ce rocher existe depuis des millénaires. Je crois que ça date de 1500. Vous voyez, donc ça ressemble à un fauteuil. Vous voyez, vous avez donc le dossier là et puis le siège. Ouais. Il est impressionnant ce rocher. Hein. Ouais, carrément. Donc excusez-nous, hein, on a été coupé tout à l'heure. On avait commencé à rentrer en communication avec vous. Désolé. C'est pas notre faute. Hein. On est désolé. Je vais reprendre le boîtier que j'avais tout à l'heure dans la main. Je vais remettre les deux autres boîtiers noirs qu'on avait mis tout à l'heure. Bluetooth. Alors, est-ce que vous êtes toujours là, s'il vous plaît? Répondez par oui. Okay.
Alors on s'excuse, hein, pour on a été coupé tout à l'heure. Est-ce que vous êtes toujours parmi nous, s'il vous plaît? Alors tout à l'heure, vous étiez en train de suivre Julieta. Est-ce que vous auriez un message à nous faire passer, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez faire bouger les lumières comme tout à l'heure, s'il vous plaît? Manifester par le biais de l'appareil photo, s'il vous plaît. Ah, ça a bougé. Est-ce que vous avez toujours envie de communiquer avec nous? Il est en train de dire que ça l'énervait. Ça l'énervait. Est-ce que vous pouvez nous dire votre prénom, s'il vous plaît? La boîte que Enix a dans la main. C'est le bruit qui vous énerve? C'est ça? C'est trop dur pour vous? C'est un appareil beaucoup trop compliqué pour vous? Enix éteigne la spirit box là? Vous pouvez nous répondre juste par oui ou par non. Est-ce que vous souhaitez entrer en contact via ce boîtier que j'ai dans la main, s'il vous plaît? Peut-être aller de l'autre côté, marcher oui. Là-bas. Oui. Hein? Est-ce que on laisse les appareils, on met une caméra devant ou... Hein? Non, on les emmène. Ouais. On les appareils, allez. On les emmène. Comme ça. On va se déplacer peut-être plus. Alors suivez-nous si vous préférez peut-être un autre endroit pour dialoguer avec nous. Exactement. On va aller de l'autre côté. Il est d'accord. Et puis on reviendra là après, hein, on verra. Voilà. On va partir. On emmène les appareils et puis vous nous suivez, on va aller un peu plus loin. Merci. Soyez attentifs les garçons, si vous ressentez quelque chose, vous le dites. Hein. D'accord, non, ne m'inquiète pas. Allez, on y va.
va essayer d'aller d'un endroit un petit peu plus loin. Donc, je vous ai tout à l'heure qu'on appelle les portes de l'enfer, parce que ça fait vraiment deux blocs de rochers de chaque côté. Et c'est vraiment sur ce secteur que c'est vraiment localisé, entre les portes de l'enfer et la chaise du diable. Donc on va essayer de s'y rendre. Ah, j'étais assis là, je crois, les autres, à l'heure. Oui, j'étais là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en vision nocturne. On va dire tout de suite. Tu me dis c'est lumière rouge. Hein, ouais. Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti. Remarquerai quand même qu'il n'y a aucun bruit. C'est clair. Si on marche pas, il n'y a pas un seul bruit. Voilà, on va être attentif. Alors si vous êtes avec nous, suivez-nous. Hein. Tu tombes sur nous. Ouais, alors attends, ça va être un petit peu compliqué. Ouais, la vision nocturne. Je crois que je vais rallumer là. C'est trop. Juste un petit peu, le temps d'arriver là-bas. Parce que là, comme vous voyez, le terrain est super accidenté. Et on se remettra en vision nocturne sur le lieu. Hein. Oui. Ça va être un petit peu compliqué là. Vous pouvez continuer à nous suivre hein, si vous le souhaitez. Alors du temps, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez me laisser des messages dans le son de la caméra. On pourra les entendre par la suite, hein, si vous avez des messages à nous faire passer. J'ai toujours le K2 avec moi dans la main, allumé. Il y a un vrai contraste sur cette partie en fait du lac. Par rapport au reste, qui est complètement mais calme, on ressent ce calme en fait. Déjà à l'entrée, on entendait les oiseaux. Oui. Et là, on n'entend rien du tout. On n'entend rien, oui, c'est ça. Il n'y a aucun bruit, un seul animal en fait. Et cet après-midi, quand on est venu, on a croisé des enfants. Et curieusement, on les entendait sur l'autre partie du lac, mais pas sur celle-ci. Ça va ? Vous suivez ? Ouais, ça va, c'est sûr. Ok. C'est bien. Ouais, c'est bien. Voilà, donc c'est un petit peu plus loin. Comme ça, vous faites le parcours avec nous. C'est bien localisé quoi. Alors je sais pas si vous le voyez à l'écran. Des petites lumières vertes.
Ouais. Alors, je sais pas ce que vous en pensez les garçons, c'est peut-être pour, je pense, pour délimiter le terrain. Mais je sais pas si vous le voyez à la caméra, là, voilà, regardez là, vous voyez en face là. Je pense que c'est pour montrer justement le tour du. Ouais. Et ça c'est des trucs qu'on trouve dans les arbres en fait. Ouais, c'est un peu tout le tour du lac. C'est hein. tout autour du lac. Pour délimiter le, je pense, la zone du lac. Donc c'est normal, hein, c'est pas un phénomène, c'est des lumières qui entourent tout le lac. Il y en a un petit peu partout. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Hein, tout à l'heure vous étiez en train de suivre Julieta, donc continuez comme ça. On va reprendre la communication là-bas, si peut-être vous sentez plus à l'aise. N'hésitez pas à nous suivre et surtout à nous laisser des messages dans la caméra. Hein, vous pouvez toujours communiquer et laisser des messages. Et on reprendra les autres moyens de communication avec vous, si vous le désirez. Même si vous laissez des messages dans la caméra et qu'on les entend pas tout de suite, c'est pas grave, on pourra les entendre après. Tout est enregistré, hein. Merci. Tu prendras aussi quelques clichés, hein, de photos. Bah, j'en ai pris déjà au niveau de la chaise du diable. Ouais. Et j'ai fait des doubles clichés au même endroit, forcément. Une est sortie normale, l'autre est sortie noire. Et j'ai fait ça, j'avais trois clichés comme ça. Il y avait le petit ruisseau. Hein, les garçons. Je crois que c'était juste après, là. Hein. Voilà, vous faites vraiment la balade nocturne avec nous. Donc là, ça a été un peu plus accidenté. On a pris aussi également le kinet, au cas où. Oui. Qu'on puisse avoir des résultats avec. Et puis comme vous le savez, hein, on est là pour rentrer en contact avec eux. Et ensuite, c'est eux qui décident ou pas de communiquer avec nous. Donc on va voir ce que ça donne. Surtout pour avoir des réponses sur le lieu. Et ce mystère sur ce lac qui fait un peu le tour de France, ce fameux lac. Tu vois, de ce côté-là, on entend les animaux. Ça, hein, voilà, on y est. Vous voyez là, donc les deux rochers qu'on a là, c'est ce qui s'appelle. On va actionner, on va allumer le kinet. Tu es proche du bord, Inox. Hein? Avance-toi, Inox. Donc si vous voulez poser un boîtier les gars, hein, on va poser un K2 là. Regardez, on peut le poser là. Hein, on va se mettre là. Alors je vais faire sortir le boîtier. Si des fois vous êtes plus à l'aise ici. On est un peu plus en retrait. Merci.
Alors, est-ce que vous êtes avec nous, s'il vous plaît? Est-ce que vous souhaitez nous laisser un message, s'il vous plaît? La personne qui nous suivait tout à l'heure, est-ce que vous êtes toujours avec nous, s'il vous plaît? Vous avez toujours envie de communiquer avec nous? C'est bon? C'est lancé ? Je crois que c'est comme ça qu'on fasse un test. Bon, c'est de... bon, on va mettre le clinette là, au cas où. Est-ce que vous souhaitez rentrer en communication avec nous, s'il vous plaît ? Vous pouvez aussi utiliser les boîtiers qui sont devant vous là, qui sont totalement inoffensifs comme on vous l'a expliqué tout à l'heure. Donc il suffit juste de vous approcher ou de les faire clignoter, soit le boîtier de droite ou le boîtier de gauche. À votre convenance, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là avec nous, s'il vous plaît? Vous êtes bien débrouillé tout à l'heure avec les appareils. Attends, parce que là, t'avais pas allumé la batterie là. Ah non, c'est parfait. Donc comme c'est pas alimenté, c'est normal. Je te laisse poser des questions, Juju. Je voulais juste parler avec cet appareil, enfin nous répondre. Répondre à nos questions avec cet appareil. Alors attends, on va filmer le kinette. Oui, mais il faut qu'on le programme comme il faut parce que je pense que. Tu cliques là, là. Voilà. Mais il va se lancer. Vous êtes un peu agacé, non ? Vas-y, passe devant, en calibre. Voilà, c'est très bien. C'est cool. On va s'écaler. Est-ce que vous êtes un peu agacé? Vous avez plus envie de répondre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous dérange autour de nous, s'il vous plaît? Merci. Oui, merci, oui. C'est sympa. Merci, merci pour l'effort que vous faites, c'est très gentil. Vous voulez nous dire le prénom de la personne qui vous dérange? Qui vous dérange, oui. Thank you.
compris. Ouais. C'est flou, on n'a pas trop bien compris ce que vous disiez. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît ? Alors ? Comme je le dis toujours, c'est pas grave hein, si on comprend pas tout de suite. C'est enregistré, donc on pourra écouter vos messages ultérieurement. Si vous avez besoin, vous pouvez utiliser l'énergie de nos appareils, nos caméras, si vous en avez besoin. Est-ce que vous pouvez nous dire le prénom de la personne qui vous gêne autour de nous, s'il vous plaît ? Soyez bien attentif. Hein. C'est Nat qui vous dérange ? J'ai cru. Juliette. C'est moi ? Juliette ? Juliette. Juliette. Une voix d'homme. Est-ce que c'est Juliette ? C'est moi qui vous dérange ? Alors, on va vous reposer la question. N'hésitez pas à utiliser l'énergie des caméras. On vous remercie pour l'effort que vous faites. Est-ce que vous pouvez nous donner le prénom de la personne qui vous gêne autour de nous, s'il vous plaît ? Si c'est le cas. Vous nous confirmez qu'il y a une personne qui vous dérange autour de nous ? Enfin... Est-ce que vous pouvez nous donner votre prénom à vous, s'il vous plaît ? Merci pour l'effort. Surveille l'écran, Steve. Ouais, alors, vous pouvez utiliser les boîtiers qui sont devant vous, à votre disposition, si vous le souhaitez, ou le boîtier que j'ai dans la main pour nous laisser des messages. Est-ce que vous pouvez nous donner votre prénom, s'il vous plaît ? Avec la caméra, si vous le désirez. Hop, excusez-moi. Est-ce que vous jouez avec nous, là ? Vous pouvez me dire si vous êtes en train de jouer avec nous ? Oui. Ouh, c'est pas un oui, ça ? J'ai entendu un oui. Ah oui, oui. Grave. Oui. Oui. Pourquoi, monsieur ? Il y a quelqu'un qui vous dérange autour de nous ? Je vous repose la question. Est-ce que vous pouvez me répondre par oui ou par non, s'il vous plaît ? C'est moi qui vous dérange. Est-ce que c'est moi qui vous dérange ? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez donner le prénom de la personne qui vous dérange ? J'ai une question, je ne sais pas si vous pouvez me répondre. Y a-t-il
les restes d'un village gallo-romain qui serait englouti sous ce lac. Oui ou non, s'il vous plaît? Oui, vraiment, loin, loin. Oui, c'est oui. Ah, t'as vu, Steve? Ouais, t'es bien. Alors, je vous répète la question. N'hésitez pas à utiliser l'énergie des caméras. En tout cas, je vous remercie pour l'effort que vous faites. Merci. Y a-t-il les restes d'un village gallo-romain englouti sous l'eau du lac, s'il vous plaît? Merci pour l'effort que vous faites, merci, c'est très gentil. Merci bien. Est-ce que, alors vous pouvez nous donner votre prénom s'il vous plaît, si c'est, si ça vous dérange pas? Le va-et-vient avec la spirit box et avec le boîtier, c'est ça? Oui. D'accord. Vous voulez pas me le confirmer avec cet appareil là qui est dans la main de Denix? Ah, il confirme que mais avec le DI. Vous pouvez vous manifester à l'écran si vous le souhaitez, qui est ici. Vous voyez, donc on vous met à disposition plusieurs appareils. Choisissez lequel avec vous êtes le plus à l'aise. Hein? En tout cas, ce sont des appareils qui sont totalement inoffensifs pour vous. Hein? Dans ma tête? Est-ce que vous êtes près de nous, monsieur? Vous voulez bien nous donner votre prénom, s'il vous plaît, monsieur? J'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? J'ai une question, est-ce que c'est vous qui me provoquez les douleurs à la tête, là? C'était pas un rire, là? Je crois. Oui, c'est pas. Est-ce qu'il y a une femme avec nous également, s'il vous plaît? Alors, est-ce que vous pouvez donner le prénom de l'un de nous six ici présents pour nous confirmer votre présence, s'il vous plaît? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Pouvez-vous donner le prénom de l'un de nous six, s'il vous plaît? Merci. Ça confirme. Ouais. Merci. Ouais. Merci. Merci. Steph, et tout de suite le frisson derrière. Merci. Tu veux poser une question, Stéphane, peut-être? Est-ce que tu serais Sophie? Thank you.
Oui. Alors, ou Oui ou Henri. Mais il y a un monsieur avec nous. Oui. Oui, il y a un monsieur avec nous. Monsieur, est-ce que vous pouvez nous donner votre prénom, s'il vous plaît? Merci. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci. Tu veux parler, poser une question, Stéphane, vu qu'on t'a interpellé? Henri. C'est vous qui avez nommé mon nom, alors, Steph, c'est ça? Il a dit Henri, c'est ça? Là, tout de suite. Ouais. C'était Henri, non, avant. Votre prénom, monsieur, c'est bien Henri, on a bien compris. Répondez par oui ou par non, s'il vous plaît. Ou alors, quelle est votre histoire sur ce lieu, monsieur, à vous? Est-ce que vous êtes près de Julieta, monsieur? C'est vous qui me donnez mal à la tête comme ça? C'est vous, c'est la dame? Est-ce que vous voulez rentrer en communication avec l'un de nous? C'est une voix de fille. C'est encore une petite fille. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner votre prénom, mademoiselle ou madame? N'aie pas peur, hein, tu peux nous répondre. Hein. Peux-tu nous donner ton prénom, s'il te plaît? Tu es la petite sœur de Stéphane? Tu peux répondre par oui ou par non? Je t'ai demandé de nous protéger, Sophie. Est-ce que c'est toi qui... Est-ce que tu es avec nous actuellement? C'est toi, Sophie? Alors, n'hésite pas à utiliser l'énergie si tu en as besoin. Tu as peut-être une question un peu plus précise, Stéphane, à poser? Est-ce que tu es bien là où tu es, si c'est toi, Sophie? Gardien, Sophie. Si c'est toi, bien sûr. Parce qu'on a entendu une voix de petite fille sur la...
On a entendu autre chose. Attends, oui. C'était la voix d'un homme, non? Oui. Vous êtes toujours là, monsieur, aussi, également? Il y a un monsieur, il y a une petite fille. Ah, ouais, j'ai répondu. Il y a une petite fille, il y a un monsieur. Il y a un peu de conduit, je sais pas. Là, il y a quelqu'un qui dit un début de phrase ou quelque chose de plus long. Hein. Oui. Mais Stéphanie parlait. Donc peut-être qu'à l'écoute après... Quelqu'un veut poser une question? À l'écoute après, je pense que tu arriveras peut-être à... Oui, oui, comme je vous dis, c'est enregistré après. Hein, donc si on ne comprend pas tout, c'est pas grave, monsieur. Non, non, t'inquiète pas. Ouais. Est-ce que vous avez donc un message à faire passer? Pourquoi votre petite fille est là? Moi, je redis une femme, moi, par contre. Ah, moi, je redis une femme. Oui. Madame, est-ce que vous êtes la dame qu'on a ressentie à l'hôtel, s'il vous plaît? On a ressenti la présence assez forte et troublante d'une femme. Et moi, je l'ai vue. Et Juliette l'a vue. Est-ce que c'est vous, madame, s'il vous plaît? Oui. Est-ce que vous voulez qu'on vous aide à partir vers la lumière? Oui, c'est un homme. Il y a une petite fille et une femme. Bah, le monsieur, si vous voulez pas partir, c'est pas grave, on vous fera pas partir. C'est pas un souci. Hein. Les âmes qui sont ici, seules les âmes qui veulent partir partiront. Vous n'êtes pas obligé de partir. Est-ce que les autres âmes veulent partir? Est-ce que vous voudrez qu'on vous fasse partir ici ou plutôt qu'on vous fasse partir à l'hôtel? Est-ce que vous prenez le dessus, monsieur? Est-ce que vous pouvez laisser parler la dame de l'hôtel, s'il vous plaît? Madame, si vous laissez pas parler, est-ce que vous pouvez faire allumer les lumières de l'appareil qui est là? Quand la réponse est positive, est-ce que vous voulez qu'on vous fasse partir? Est-ce que cet homme s'appellerait pas Eric à tout hasard? Beau, mais j'ai pas. C'est une voix d'homme, ça. Eric, est-ce que c'est toi? Tu es mon cousin? Est-ce que c'est toi? Tu peux répondre par oui, s'il te plaît?
C'est yes que tu as dit ? Parler comme ça ? Ouais. Disparu ? Ouais, il semble. Ça, disparu, disparu, je crois. Oui. Disparu ? Ouais, d'accord. Oui, t'es disparu comme ça, oui, vite, quoi. Sans nous prévenir. Est-ce que tu peux interagir avec le DI, s'il te plaît ? Ou la K2 ? Tu allumes les bougies ? Ouais, moi j'allais poser la question, justement, si vous voulez qu'on pose les bougies. Ouais, ouais. Parce que ça reste... Ouais. On va faire profiter les âmes qui en ont besoin. Ouais. Ouais. Exactement. Donc voilà, c'est ce qu'on fait habituellement. Donc on va vous allumer des bougies. Bon, par contre, on va les mettre où, parce que... Qui va symboliser nous six, si on peut vous envoyer de l'énergie positive et vous aider à passer de l'autre côté de la lumière. Voilà, on va faire ça pour vous, avec une petite prière. Je pense que peut-être dans le creux là-bas, non ? Ça peut être jouable. Il y a des feuilles. Des feuilles ? Ah, ouais. Il y a des feuilles. Ramasser les appareils déjà. Disparu. Il faudrait pas qu'on mette tout ce feu. Je vais chercher un caillou. Ouais, pour poser sur le caillou. Vous avez tous votre bougie ? Merci de l'effort que vous avez fait en tout cas. Ouais, pour ceux qui ont bien voulu communiquer avec nous, même si c'est pas évident, on le sait. Merci en tout cas pour l'effort. Et puis voilà, on va allumer ces bougies pour vous. Si ça peut vous aider, c'est l'essentiel. Tiens. J'ai peur qu'avec le vent, par contre, ça va être compliqué. On a des bons résultats. Bon, on verra après aux analyses. Donc voilà, même si on n'a pas tout compris, c'est pas grave. C'est enregistré. Essayez peut-être derrière le rocher là-bas, non ? Là. Hein ? Parce qu'il y a un petit peu de vent là, donc... C'est vrai que quand on est en extérieur, c'est toujours... c'est pas évident. On va essayer d'y mettre juste derrière, là. Est-ce que ça vous irait, là ? Ouais. Est-ce que ça vous irait ? Allez-y, ouais, juste derrière. On va toutes les allumer. On va toutes les allumer. Plus derrière, hein. Mais il est plus derrière le rocher. Eh ben là, t'as un courant de vent, vert, mon pauvre, c'est même pas la peine. Ouais, mais comme ça, ouais, c'est bien. Là, tu les mets au plus proche du caillou, quoi. Comme ça, il y aura il y aura moins de courant d'air qui va... Sinon, tu peux envoyer les autres bougies pour allumer. Ouais. On entend des bruits d'animaux là. Voilà, donc pour ceux qui ont besoin d'amour et d'apaisement, profitez de ce canal si ça peut vous aider. Ça y est. T'as allumé la caméra là. Ouais, je sais, j'en ai ça. Vous avez chacun la vôtre ? J'en avais deux là-bas, comme ça. C'est pas grave.
Fils. Bon, ben voilà les amis. Donc on fera les analyses, on verra ce que ça va donner. On est meilleur contact qu'au début, quand on a été interrompu tout à l'heure déjà. C'est déjà ça, même si c'est pas... On verra ce que ça donne. Hein. Donc nous sur ce, les amis, on va vous donner rendez-vous pour la prochaine enquête. Et on va se dire à très vite. Si vous voulez venir dire au revoir les loulous, tous ensemble. Et donc voilà, donc on va se retrouver très vite pour la prochaine enquête. Et bientôt, voilà, on attend Stéphane pour dire au revoir. Ok les loulous, à bientôt. Tchuss.